Alors j'ai au ballon. Belle prestation de Anne Elval. Il faut dire que la gymnastique rythmique et sportive séduit le public ici. Oui, tant mieux pour nous. Beaucoup de gens le découvrent et les téléspectateurs certainement aussi, mais c'est une discipline en pleine extension. Oui. Nous allons maintenant passer aux anneaux, puisque chaque fois nous faisons... Bénédicte Obst, en GRS, fait partie des meilleures françaises. Oui, elle s'est classée deuxième au concours général d'hier. Et c'est une gymnaste qui est 32e au plan mondial. Bénédicte, c'est une gymnaste de Strasbourg et qui a 18 ans. Fleuro d'Orléans à la GRS. Oui, Fleuro Sandrine qui est un de nos meilleurs espoirs et qui sera vraisemblablement au prochain championnat d'Europe junior qui se déroulera au mois de mai 1985.
très jolie prestation de Sandrine Fleureau, qui est un de nos espoirs en GRS. Céline Noni est du club d'Evry et a 15 ans. Evry qui domine un peu peut-être la GRS. Un des clubs phares au niveau des jeunes, c'est ça. Tandis que Céline Noni termine sa prestation, nous avons vu s'afficher la note de Laurent Barbieri, 9,65. C'est très, très bien noté. C'est aussi Jacques Def et Philippe Batouane qui ne sont pas là. Philippe Batouane qui est un de nos plus grands champions. Et donc, Laurent s'est trouvé un peu esselé malgré tout dans ses championnats. Christelle Bruno. Christelle Bruno du club d'Orléans qui va nous présenter, du moins je l'espère, un bel exercice au ballon qui est troisième du concours général de hier. Est-ce que nous sommes loin des Bulgares, par exemple, des meilleures européennes ou des meilleures mondiales? Oui, nous sommes encore loin. Encore loin. Actuellement, nous prendrons tout à l'heure, en même temps que les barres parallèles pour les garçons, les filles reprendront la poutre que nous verrons tout à l'heure. Emmanuel Serre. Emmanuel Serre, du club d'Evry, est championne de France en National B. Thank you.
coûte cher. Emmanuel a fait deux petites fautes à la fin de son exercice, elle en a fait une autre. Mais les massues. C'est à quoi la réception? Championnat du monde de GRS qui ont eu lieu à Valladolid en 1985. Et les massues, c'est un petit peu sa spécialité, puisque chaque gymnaste a un petit peu une préférence par rapport aux enchaînements. De Christelle. Ce saut, je crois que ce sera difficile de battre Patrick Mathioni, mais nous verrons. Avec une sortie qui fait au minimum 4 dixièmes de pénalisation. Là aussi, mauvais rattrapé des massues. De la réussite des exercices sans chute, il y a une grande part donnée de la part des juges, également de la part du spectateur, à l'aspect chorégraphique en la GRS. Oui, avec Valérie Gallet, qui est une gymnaste qui a 17 ans, qui est de Calais, et qui est pour la première fois en finale. Thank you.
Dommage pour les deux petites chutes. Le reste de l'exercice était bon. Pour une Hoogst que nous retrouvons à la GRS au Massu. Oui, Bénédicte Hoogst était en 1985 la championne de France à cet appareil. C'est une spécialiste des massues. Je rappelle que les commentaires sont faits par Dominique Muller, qui est présidente du comité technique national de GRS. Dommage pour cette petite faute. Le reste, c'était un exercice qui est très très difficile. Que nous sommes au championnat de France de gymnastique et de GRS et que nous verrons ensuite les barres parallèles pour les hommes. Pas de faute majeure. Une toute petite faute au niveau de la reprise des massues, mais qui ne l'handicapera pas trop. Non. Effectivement. Sandrine est donc la championne de France de la catégorie espoir. Elle a 13 ans. Et c'est la première année que la catégorie espoir arrive à accéder en finale, puisque ce sont les 6 meilleures notes qui sont prises en considération. Elle est du club d'Orléans.
faut dire que le ruban laisse une grande part à la chorégraphie. Absolument. Avec Céline Noni, nous ne serons pas loin de nous quitter après la prestation de cette jeune fille au ruban et à la gymnastique rythmique et sportive, car l'heure de nous quitter approche. Je rappelle que nous avons passé une heure ensemble. J'espère qu'elle vous a plu pour ces championnats de France de gymnastique, artistique et gymnastique rythmique et sportive en direct du Palais des Sports de Metz, avec à mes côtés Jean-Luc Quairon, double champion de France, qui m'a apporté son éclairage technique, avec Alain Vouriot, chargé de la communication à la Fédération française de gymnastique, et Dominique Muller, présidente du Comité technique national de gymnastique rythmique et sportive. Sur ces images de Bernard Choquet à la réalisation, avec les moyens techniques de FR3 Bourgogne-Franche-Comté, dirigé par Jean Avezou, que nous allons nous quitter en vous donnant rendez-vous sur les antennes de FR3 pour les résumés de ces manifestations sportives. 33 kilos. Sous vos yeux maintenant, un des engins de la gymnastique rythmique sportive, la corde, et une des meilleurs espoirs de cette discipline, mademoiselle Christelle Sahuc. Alors, tout comme la gymnastique aux agrès, dans cette discipline, les jeunes filles doivent répondre dans leurs mouvements aux exigences du code de pointage international. Elles doivent avoir, par exemple, des séries de sauts de grande amplitude, obligatoires, des tours sur elles-mêmes. Elles doivent avoir des séries de petits sautillés en déplacement. Un travail au milieu de la corde, évidemment tout cela assorti d'une très grande maîtrise de la gestuelle corporelle. Et voici la position d'équilibre également obligatoire derrière un pivot. La manipulation doit passer alternativement d'une main sur l'autre et évidemment il y a obligatoirement dans l'exercice des grands lancers pendant lesquelles la jeune fille effectue des exercices tels des grands sauts ou des pré-acrobaties. Thank you.
fille, comme vous l'avez apprécié, excessivement expressive au sol, dans tous les exercices, mais particulièrement dans celui-ci. Le ruban est un engin fort spectaculaire et très intéressant à voir, je pense à pratiquer également pour les jeunes filles. Il doit y avoir, tout comme dans les autres engins, des sauts de grande amplitude, au moins une difficulté supérieure, tout cela est noté dans le code de pointage. Une utilisation de tout l'espace aérien, l'espace vertical, horizontal, le pivot ici est obligatoire. Il doit comporter au moins 2 tours. Cet exercice présenté par Zen Espinoza. Vous avez pu noter tous les changements de rythme de son exercice et vous avez pu également vous rendre compte que le ruban ne s'arrête jamais. Il doit en effet décrire des dessins, des spirales, des serpentines. Il ne doit jamais être immobile, quoi que fasse la jeune fille. Aux anneaux, Claude Carmona. Il doit bien entendu y avoir équilibre entre le travail de la main droite et de la main gauche. Voici notre charmante championne de France 1988 au concours général de gymnastique rythmique. Voyez, vous pouvez apprécier l'amplitude de ses sauts. Ses jambes sont largement au-dessus de l'horizontale. Aux anneaux, un exercice Patrice toujours très rythmé. Casimir.
On choisit de l'épreuve de gymnastique rythmique et sportive qui